Et nous voilà en ligne. On a eu quelques petits soucis sur Handball TV, mais nous sommes bien présents pour ce... cette rencontre entre Saran et Aix qui a démarré il y a quelques instants désormais. C'est Saran qui mène 3 buts à 1, un bon début de match. Également sur la base arrière, le voici au duel avec Tarafeta qui n'a pas voulu y aller. Il préfère libérer la finition, elle est superbe de Mathieu Hong qui tente de passer le ballon qui va être rendu. Au Saranais, la longue relance de Mohamed Mamdou, elle est interceptée mais ça revient. Damiani avec Collet qui va prendre son impulsion de loin et la manchette de Wesley Pardin. Alors est-ce que c'est sur la réception? Il y a eu contact hein, de toute façon au moment du shoot. Ici et derrière où? Oui, la réception elle est violente. Alors et il est sorti sans aucun contrôle. Il y a une vraie grosse faute hein, ici quand même. En manque de maîtrise de Romain Lagarde. Il va falloir gérer cette infériorité. Du côté du PAUC, Tom Robbins, oui, le bon service avec la course en ballon de Romuald Collet, c'est bien fait. Et Yann Tarafeta qui va manquer le cadre derrière, il n'y a pas de gardien. Yann Gentil qui a fait le choix de trouver Mamdou et ça fonctionne. Yann Tarafeta avec les appuis et la bonne montée. Il avait bien senti le coup derrière avec Mamdou et jusqu'à Florian Delecroix. Et va encore buter sur le gardien aixois. Il a pris le dessus de Dicir Darevic à 7 mètres. Le capitaine de Saran, la passe à l'intérieur de Oliveras, elle est manquée. Et derrière Gabriel Loche, il est de nouveau servi en montée de balle. Tom Robbins avec Damiani qui a posé le pied dans les 9 et derrière, il ne s'est pas posé de questions pour déclencher, c'est bien fait. De la part de l'ancien Bordelais. Il est entré par la petite porte sur les 7 mètres. Et derrière, il est vraiment extrêmement efficace jusqu'à maintenant. A voir si ça continue. La tentative de Kung Fu, elle est si compliquée. Il n'y avait pas d'angle, ni pour Anovic, ni pour Deumal. Ils l'ont transformé en véritable situation de but. Et qu'il est beau ce Kung Fu! Allez, pas Oliveras qui se lance au duel. Alors, il a mystifié Mouhamadou Sidibé avec le changement de direction. Ah oui, oui, il l'a complètement laissé dans les chaussettes. Et ça se transforme en balle d'égalisation. Et il s'est trompé complètement. Tom Robbins va lancer Luka Radovic au duel. Et le but est inscrit par Luka Radovic. Passé un petit peu par toutes les émotions, cette image elle est belle. Ça emmène à la pause 17 à 15 et cette action un peu à l'image du dernier quart d'heure des Aixois. Début de la deuxième période, Saran mène de 2 buts après un premier acte complet, consistant. Romain Lagarde en dribble pour aller se présenter face au but et encore un arrêt d'Ivan Pagnan. La longue relance derrière jusqu'à Deumal. Oh, celle-ci en revanche est beaucoup plus nette. Le bras toujours levé avec Damiani, il s'est frayé un chemin. Et le ballon rendu au PAUC qui a la possibilité de se projeter sur grand espace avec Duarte. C'est bien fait jusqu'à Ivic. Un vrai enjeu cette attaque, voir si Saran est encore capable de faire mal sur les attaques placées avec Tom Robbins. Delecroix qui s'est défait du marquage et qui va shooter derrière. Et le voilà, il est joué avec Collet. L'exploit de Romuald Collet au bout du passif avec le coup de poignet en désaxé. Il y a un tout petit air de Lucas Ballot sur cette situation, complètement à l'horizontale comme ça. Allez, retour de Mohamed Mamdou également à l'intérieur et William à Cambrai de loin. Il y aura un 9 mètres, attention à l'entente entre Mohamed Mamdou et Florian Delecroix en poste 2. À ne pas redescendre trop tard pour Florian Delecroix. Et oui, il y aura un décalage jusqu'à la balle d'égalisation, la balle de plus 1. Voilà, dans le bon tempo avec Gabi Loche. Revenu des enfers. Tom Robbins autour de Mamdou. Avec les petits appuis toujours. Collet de loin.
Cette défense est capitale avec Simevic. Avec Yann Tarafeta, le voici, et Romain Lagarde sur le croisé avec Simevic de nouveau. Yann Tarafeta, pas de solution, c'est compliqué, la passe lumineuse pour Gabiloche. Oh, le coup de génie de Yann Tarafeta pour prendre à revers une défense entière, et Gabiloche à 9 sur 9. Fin de partie énorme, et derrière la punition, but numéro 10 pour Gabiloche. Saran avait mené, Saran avait dominé pendant de longues minutes.